Bonjour Thibault Louvrier, animateur au rendez-vous des seniors. Donc bienvenue dans notre structure. On est au 67 boulevard Ney, donc dans les locaux qui nous sont prêtés par l'APES et France Habitation. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? C'est une association avec des activités socioculturelles. Donc le principe global, c'est que les personnes âgées du quartier puissent avoir des activités socioculturelles. Donc on est une association loi 1901 et cette association fonctionne avec les adhésions. Donc c'est 25 euros à l'année pour toutes les activités. Et donc les adhérents, c'est eux qui font vivre l'association. Voilà, nous on les aide en mettant en place des animations, des ateliers, etc. Je fais partie de l'association des seniors. On a eu ce projet qui nous a été présenté par Myriam et qui nous a absolument passionnés. On a commencé par faire de l'intergénérationnel en leur racontant un petit peu comment était notre école par rapport à la leur. Ah oui. Ça a été le début du dialogue d'ailleurs, c'était absolument fantastique. Excellent. À la suite de quoi, il y a eu, disons, des comptes rendus qui ont été faits avec les enfants et Myriam. Ils ont fait des dessins, on était en train de préparer un livre et parallèlement à cela, on a fait de la musique sur des instruments métalliques. Vous allez être dans une salle où va y avoir des spectateurs, c'est-à-dire des personnes qui vont être assises sur des sièges. On va arriver sur scène pour chanter les chansons. Vous n'allez pas paniquer quand même. Je trouve que les enfants, c'est la vie. Et tout en côtoyant des personnes, disons, retraitées de mon âge, j'aime beaucoup le contact des enfants et je travaille beaucoup avec eux. Et je suis très heureuse de participer à toutes ces activités que l'on me propose avec eux. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit, je reste le premier. Je suis métisse, mais pas martyr. J'arrive.